Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour une BL pour le concours. Donc, j'ai reçu énormément. Donc, il y a déjà 3 enveloppes. Et, alors, je ne sais pas qui est la folle qui m'a envoyé un colis. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je pense que celle-ci, je vous ouvrirai à la fin. Ça doit être la participation pour le concours du coloriage. Donc, on ouvrira après. Déjà, on a une première enveloppe avec un voici super joli. Alors, ce sont des tampons de poste. Donc, il me vient de Marilyn T. On va ouvrir ensemble la création. Alors, on va essayer d'enlever le voici. Il se récupère toujours le voici. Il est très beau, je ne le connais pas. Dis-moi où tu l'as trouvé, Marilyn, parce que là, il est magnifique. On va essayer d'ouvrir sans déchirer l'adresse. Attends, je vais faire avec le cutter parce que sinon je vais enlever tout l'enveloppe. On va essayer de pousser. Voilà. Voilà, c'est plus pratique. Je regarde si je coupe pas. Voilà. Et voilà. Alors, nous avons, on va chercher la petite carte qui est là. C'est un peu collé dedans. C'est un peu collé dedans. Voilà. Waouh. Alors là, j'adore. Au moins de la petite carte. Elle est magnifique. J'adore ces couleurs. Petites fleurs là qui ont été colorisées. Je pense que c'est un tampon. Elle m'a mis un petit napperon. En papier. La dentelle beige. Et ma fameuse copine, hein, Corgios, a mis des petits cœurs qu'elle a collés en 3D. Et au milieu, elle m'a mis un petit rond avec des fleurs. Magnifique. J'adore ces couleurs. Alors le papier, je le connais, il me dit quelque chose. Mais il est magnifique. Magnifique. On va lire le petit mot. Je vais lire. Alors. Un. C'est la chaîne de Iluna Scrap. Allez voir sa chaîne, elle fait des choses magnifiques. Et Marilyn, je suis tout à fait partante aussi pour un mission d'ATC. Faut que j'y mette déjà. Je vous les mettrai de toute façon. Je ferai une vidéo là-dessus pour faire des échanges. Et pas tout de suite, j'ai beaucoup de projets. Mais courant septembre, je serai ravie. Alors ensuite, elle m'a mis
c'est une enveloppe. Elle m'a mis un ATC Gorgeous. Je la connais pas, celle-là. Un jour, le petit napperon, là, j'aime bien. Elle m'a mis, là, c'est un... Ça doit être du fil. La Twin. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. La Twin, là. Et elle m'a mis des petits enamel dots en cœur. En gris. Ça rend super bien. Hein? Celle-là, titantelle, là, je la connais pas. La couleur est magnifique. Alors, c'est le titre Gorgeous. Ça a été fait le 17 juin 2018. Et c'est la 1 sur 6. Merci beaucoup, Marine. C'est la première ATC Gorgeous que j'ai. Franchement, génial. Ensuite, elle m'a mis... Ah, ça, c'est super original. C'est une fleur, on va dire. Superposition de fleurs avec la petite dentelle, là. C'est la dentelle qui est un peu raide, là, à coller, je pense. Et elle m'a mis un petit enamel dot. Un strass, pardon. Elle est magnifique. Papier, il est top. Hein. Franchement. En fait, elle a fait une petite fleur. Non, c'est pas la dentelle qui est raide. C'est la dentelle qu'elle a façonnée en fleur. Il y a eu des tutos là-dessus. C'est un pliage, je crois. En tout cas, j'adore. Merci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Doit des tampons peut-être, je sais pas, sur du thème vintage. Ils sont magnifiques. Il n'y a plus qu'à les découper et les coller sur sur les tags. Ah bah ça. Alors celui-là. Il va finir sur ma boîte serviettasse avec des engrenages. C'est des choses comme ça que je cherche pour faire ma boîte. Merci beaucoup, ça tombe super bien. Génial. Ensuite, elle m'a mis un petit mot avec ses coordonnées. D'accord, ça c'est pour les champs d'ATC. C'est des petites infos qui sont très utiles. Alors c'est un pot. Moi j'aime ça, un pot de confiture. Je l'ai en... Attends, je ne sais plus si c'est un tampon ou une découpe. En découpe, je crois. Je l'ai et j'adore. Je n'ai pas essayé encore. Oui, avec le petit nœud. Et elle a collé, elle a refait une découpe, donc c'est un die, ouais. Avec une autre couleur. Donc c'est en rose gold. Avec les petites fleurs, elles sont magnifiques. Iluna Scrap. J'adore, merci beaucoup. Et elle m'a mis, oula, alors je vous ouvre pas, mais un sachet de découpe avec différents. Il y a des ronds, il y a des ovales. Il y a des tags, il y a des petites fleurs. J'adore ce voici-là, je crois que je l'ai. En tout cas, c'est super beau. Merci beaucoup, Marine. J'ai au moins la petite cape. Alors là, j'en suis fan. J'ai pas autant d'idées pour faire les cartes, mais j'aimerais bien. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Et je n'oublie pas pour les ATC. Courant septembre, je pense, sera prévu. Donc, ensuite, j'ai un autre courrier. Alors, je cache l'adresse.
Regardez les timbres. Ils sont excellents. J'adore ces timbres. Donc c'est un courrier qui me vient de Nadia, B, du 87. C'est moi, j'ai oublié de vous dire, pour la première, Marilyn T qui vient du 42. Donc on va ouvrir. Ah oui, alors regardez. Non, pas. Et là, elle m'a mis des attaches parisiennes. Regardez. C'est super original. Ça, franchement, on va les enlever. Hop. J'en ai pas de cette couleur là en plus. Elles sont violettes. Et la seconde, pareil, elle est violette. Alors. Là c'est bien, je peux l'ouvrir. La tresse est de l'autre côté. Par contre, elle me l'a blindée, j'ai l'impression. Et les filles, j'avais juste demandé une petite créa. Mais vous êtes adorables, franchement. J'ai rencontré des personnes vraiment adorables. Et je vous en remercie tous. Alors, par quoi on commence ? Déjà, on va trouver la petite carte. Voilà. Je pense que c'est... Alors, elle a fait tout dans le thème rose et blanc. J'adore. Je pense que c'est la petite carte. Elle a marqué Happy Day. C'est un Happy Day, ça c'est clair. Alors, original. Elle me l'a fermé avec du scratch. J'aime beaucoup le faire pour les albums. Alors, oulala. Alors là, je connaissais, mais alors comme ça. Alors, attendez. Ouais, c'est la petite carte. Regardez-moi ça. Tricolore, tu vas être jalouse. Unicorne. La tête unicorne, elle est adorable. Vous voyez, elle s'ouvre comme ça. On ne sent pas le petit mot. Avec le petit nœud, là, même. C'est original. J'adore, j'adore. On va voir le petit mot. Alors. Alors, c'est Nadia qui a une chaîne YouTube aussi. Un éclat de créa. Allez voir, elle est magnifique. Elle fait de magnifiques créations. Et elle est adorable, franchement. Merci beaucoup, Nadia. La petite carte, on va la mettre de côté. Alors, par quoi je commence? Voilà, voilà, la vache. Là, t'envoies du lourd, Nadia. Regardez-moi ça. Elle m'a fait une rosace sur une paille. Les corps. Alors, les couleurs. Waouh. Elles sont, on l'a pris un petit peu dans la, je remettrai bien. Regardez comment, elle m'a fait une superposition de papier, de dentelle, de ruban, de d'organza. Elle est, regardez. Voilà, franchement. Je sais pas quoi dire là. Parce que là, franchement, ouf, si un jour j'arrive à faire des trucs comme ça, waouh. Donc on a la petite fleur. C'est de la dentelle. Donc.
avec des petites traces. En dessous, c'est la comme de la tulle, je pense, ou du voile. Non. Plutôt du voile, un peu comme le voile de mariée. Je sais pas si vous voyez. Ah, attendez. Bien. Celui-là. Il y a un apron en dessous. Là, c'est du papier. Pliage. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais j'arrive pas à le faire. Pliage de papier. Et elle termine par de l'organza rose. Et derrière, elle a mis un bras rose, bien sûr. Ah, j'en viens pas. C'est magnifique. Waouh! Je ne veux pas m'en remettre, moi. Oh, puis elle a mis des paillettes. Regardez. Waouh! Ah ben, ça commence. Faites fort, les filles, n'empêche. Alors, ensuite, elle m'a mis. Ah, c'est pas mal. C'est un rangement pour les limes à ongles. Vous voyez, malheureusement, j'en ai pas. Mais ça peut servir pour autre chose. Franchement, il est magnifique. Je vais vous l'ouvrir. Si je peux, parce que comme, voilà, le problème, c'est que j'ai pas d'ongles. Et je vais pas réussir à vous l'ouvrir. On va essayer. Désolée, c'est un petit peu long. Et ça vient. Doucement, mais ça vient. J'y suis presque. Voilà. Tire juste. Voilà, ça y est. Alors. En intérieur, donc. C'est bien une image. Elle est belle en rose comme ça. Pailletée. Je sais pas si vous allez voir. Elle est pailletée. Et dedans, moi, c'est tout simple. Ouverture. Hein. Avec ce papier-là qui est magnifique. Qu'on trouve ici d'ailleurs. Franchement, j'adore. C'est magnifique. Super original en plus. Petit ruban là, j'adore. Elle a fait tout dans les roses et blancs. Très garni. J'adore. Ensuite, il y en a plein encore. Pareil, le stem scratch. Une petite. Alors, comment on appelle ça? Petite pochette, je pense. Elle m'a mis des sticky notes avec un petit minou. Pareil, tout dans les roses et blancs. Alors, je vais te repiquer l'idée si tu le permets. Parce que j'adore. Et là, il y a marqué Say hello, dire bonjour. Petit poisson. Trop mimi. Et avec le scratch, pareil. Ah, franchement, avec le scratch, on fait beaucoup de choses. Et il y a la petite fleur là, que j'aime beaucoup. Papier, j'adore celui-là. Ensuite, oh là là. Ah, les fameux petits nœuds que j'adore. Donc, je ne les sors pas, j'ai peur de les abîmer. Hop, pareil, tout dans les roses, violets, blancs. Ils sont magnifiques. Super. Alors, ensuite, nous avons. Oh la vache.
Oh. Alors, on a un album, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, regardez. Et elle m'a mis mon pseudo, Cici Créa. Alors, ça fait toujours drôle de voir ça sur les créations. Je le mets même pas moi sur le mien. Enfin, sur mes créas. Mais quand on le reçoit, comme ça. Ah, en plus, elles sont grosses, pailletées. Magnifique. Et quand on ouvre, c'est comme ceci. Ah, ça, c'est bien. Magnifique. Je vais pouvoir le mettre mes photos dedans. Ce que je veux. Alors, il s'ouvre comme ceci. On a la petite pochette avec la perfo là. Donc en dessous le papier il est comme ça. En milieu, elle a pour cacher les plis, elle a mis une bande comme ça. Et du blanc, ça rend super bien. Ici nous avons une autre petite pochette. Toujours avec la perfo. J'adore cette perfo. Je vous découvre en même temps que vous. Ensuite, il y en a une autre derrière. Avec, c'est un peu brillant. On ouvre comme ceci. Voilà. Et à côté. Il s'ouvre comme ceci. Franchement, il est top. Bah, merci beaucoup, hein, parce que là, franchement, Nadia, t'as fait fort. J'arrive à le refermer. On va le faire comme ça. Voilà. Bon, il est top ici. Pas l'air compliqué, je le serrerai peut-être. En tout cas, les lettres en rouge brillant, on va pailleter là, ça rend magnifique. Ça ressort bien sur le papier. Merci beaucoup, Nadia. Et voilà, donc c'était les créations de Nadia. On vous montre la petite carte. Alors celle-là, je vais en rêver, je vous jure. Ne parlons pas de celle-là. Là, franchement, les filles, vous avez fait fort. En tout cas, allez voir leur chaîne parce que elles sont adorables, elles font des choses magnifiques. Quand vous voyez ces créations-là, vous dites, est-ce que j'arrive un jour à faire comme ça? Donc je vérifie. Parce que la dernière fois, il y avait encore un truc. Merci beaucoup les filles. Et nous allons passer au troisième. Alors pas du moins. C'est carrément un colis qu'elle m'a envoyé. Donc je l'ai juste décollé pour pas que ça fasse du bruit. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Il est blindé déjà. Alors. On va chercher la petite carte. Ah, c'est ça. Ouh là là. Elle est magnifique. Et ben, il y a encore du temps. Regardez-moi ça. Elle est topissime. Papier embossé en dessous. Ça doit être les classeurs embossés d'action. Je l'ai, tu vois. Et là, superposé un papier rose en dessous. Comme un médaillon. Alors, franchement, celle-là, t'as dû t'amuser pour la faire parce qu'il y a tout ça à découper, à éviter, comme on dit.
Elle est magnifique, très parisienne. Il a, je pense, ouais, elle a mis des petits énamel dots. Il a aussi. Voilà, franchement, magnifique. Donc, on va lire la petite. Elle m'a fait un roman. Donc, je lis le petit mot. Esclave depuis moins d'un an. Eh ben, moi ça fait des années que je fais, je fais pas autant. La peinture sur soie, j'en ai fait. J'ai gardé sur soie ce que j'avais fait. J'en ai mis quelques-unes sous polyphane. J'avais adoré faire ça. Et du collage de serviettes. D'accord, je comprends. Ah, elle m'a mis des serviettes parce qu'elle a vu que j'en faisais. C'est vrai que j'en ai fait quelques-uns et j'aime beaucoup faire ça. Donc elle a une chaîne. Elle n'est pas encore très à l'aise. T'inquiète pas, ça vient d'un coup. Moi, c'est pareil. J'aime pas ma tête, mais je la montre. C'est quand même mieux pour voir les réactions. C'est plus sympa. Alors sa chaîne, c'est Patty Scrap Tabby. Elle a une page Facebook aussi. Patty Scrap Tabby. En tout cas, merci beaucoup. Parce que la carte, elle est au top. Franchement. Et avec la petite enveloppe là. Donc je sais pas si c'est toi qui l'as fait. Parce que je les connais pas, ces enveloppes. Comment vous avez fait les filles, vous êtes en fait, quand je vois les créations que j'ai reçues, les trois, là, elles sont toutes dans le style girly, rose, shabby. C'est comme si vous étiez donné le mot, ou alors le hasard est très bien fait. Donc elle me dit qu'elle m'a mis des serviettes. Oh là là, elle m'en a mis une tonne. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Pas très fleurs, mais il y en a quelques-unes. Regardez celle-là. Elle est magnifique. Bien sûr, il y a tout quatre. Hein. Je ne vous les déplie pas tous. Ça permet de faire quatre fois plus de serviettes. Elle est magnifique. Celle-là, j'aime beaucoup les couleurs. Ben, vous voulez que je fasse du serviettage, les filles hein? C'est prévu, vous n'inquiétez pas. Ah là là, j'adore. J'en ai pas en plus. Sur l'automne. Moi, je fais du serviettage sur boîte, en fait, sur bois. C'est quand même plus pratique. Après, on peut peut-être le faire sur d'autres supports, mais j'ai pas essayé. Moi, je fais beaucoup sur bois. Donc, pour l'automne, waouh. Merci beaucoup. Oh, les mimis, c'est là. Pour Noël. Petit village sous la neige. Avec le. C'est du où? Du i? Je sais jamais. Je crois que c'est du où. Elle est magnifique. Ensuite. Oh. Ah, celle-là, non, parlons pas. Elle est top. Alors, attendez. On va lui montrer dans ce sens-là. Ça va être... on va dire sur un tonneau de champignons. Avec l'épi de maïs. Et le tournesol. Très coloré, j'adore. Le rouge et le jaune, en plus, j'adore. Pareil, toujours, il y a quatre morceaux. Ce qui est bien dans ces serviettes, enfin, certaines, c'est que ça permet d'avoir quatre morceaux différents. Ensuite, nous avons... Alors, là, c'est top, parce que
J'en ai pas beaucoup sur ce thème-là. Sur la mer. Je vous ferai une vidéo sur toutes les salades que j'ai. J'en ai pas énorme. Hein. J'en ai quand même beaucoup. Avec des bateaux, là, elle est magnifique. J'adore. Oh, celle-là peut faire automnale aussi. Elle est magnifique. Marqué, là, compote de pommes. Elle est magnifique, ça. En plus, je confirme quatre morceaux. On n'est pas obligé de prendre toute la. Les quatre dessins, on peut prendre juste un. Ça, c'est top. Ouh! J'adore celle-là. Alors, celle-là est thème de la plage. On va le servir l'année prochaine, mais elle est magnifique. Super bien. Eh ben, il y en avait des serviettes. Ouf. Et bateau, je me dis, il y a un colis carrément. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ne me demandez pas le nom. Je ne connais pas. Waouh. Regardez. Elle fait une capsule altérée avec un thème petit chabis, là. Un petit nœud. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un mini-album. On va l'ouvrir. Oh, le petit nœud, il est trop beau. Il est petit croix là. Je connais pas du tout. Toujours les perfos là. J'adore avec les petits strass là. Ils sont top. Papier, il va pas se fondre. Oula, oh là là. Je connais pas du tout. Par quoi je commence? Donc ça se présente comme ceci. Donc elle m'a blindé. Elle a fait en fait des petites boîtes, on dirait. Hein? Ça fait comme des boîtes. Oh, le papier. Dis-moi où tu as trouvé parce que je le connais pas. Et celui-là, je l'adore ce papier. Le papier est là. Tu as. Il est top ici. Alors, on va commencer par un côté. Voilà. Donc, elle m'a mis des tamponnages. Alors, nous avons un nuage. Ah, ça j'adore, j'en ai pas. Timbre postal. On peut dire la tour Eiffel. Je sais ce que je vais en faire, ça. Alors, nous avons la poste américaine. Portland. Non, c'est... Pardon, je voyais à l'envers. C'est Brooklyn à New York. Ah, le fameux petit pain d'épices de Noël. Que je n'ai pas trouvé en die d'ailleurs. En fait, mon die, ça, ils avaient fait toutes les collections en série jaune, rouge, bleu, vert. Moi, j'en ai trouvé que un. C'est l'arbre d'Halloween. Dommage. Et nous avons. Alors, dis-moi comment ça s'appelle. Pour faire des patrons de robe. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Dites-moi si vous savez le nom de cette ça. Je sais plus, je crois que c'est un. Oh non. Quand on cherche, on ne trouve pas. Donc, si vous savez le nom, dites-moi. On va les remettre. Pas les allumer.
Ensuite, elle m'a mis. Ouh là là. Ouh là. Il y a un truc, j'ai vu, là. Moi, je ne les sors pas parce que j'ai peur des abîmer. Mais il y a plein de découpes. Regardez le petit téléphone, il est trop beau. Donc, on a... Alors, le petit téléphone. Il y a un petit personnage, là. Il y a des feuilles. Il y a des fleurs. Il y a des plumes. Une bannière. Ça, c'est pour Noël. Le rond, là. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des plumes. Ah, attendez. Il y a un truc, j'ai vu. Il faut que je vois. Toujours avec les voici, là. Qui sont beaux, ceux-là. Donc, je sors pas tout. Mais j'aimerais juste voir. On enlève le voici. On met de côté. Alors, à chaque fois, je me fais avoir. C'est de l'autre côté. De toute façon, il fallait enlever le voici. Bon, je vous montre pas tout, mais il y a une chose que j'aimerais. Il y a des petits cœurs, des papillons. Attends, une chose que j'ai vue. Eh ouais, je l'ai ce die. J'adore ce die. Les rouages pour ma serviette. Attends. Je sais pas si on voit mieux. On peut être... Tourne mon côté, ce sera mieux. Voilà, regardez. Je laisse d'ailleurs, il est top. Pour ma boîte serviette, franchement, ça va être top. Je le remets dedans, pas l'abîmer. Ah, je l'ai déjà eu ce petit vélo, il est top. J'adore ce petit vélo. Et on a des papillons. Sont magnifiques. Franchement, les sœurs de... entre les découpes, les tamponnages, franchement, tout ce que tu as fait, merci beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est... Et tu dis, tu scrapes depuis pas longtemps, et ben, franchement, tu es douée, moi, je trouve. Vous êtes toutes douées, les filles, de toute façon. Hein, Nat. Franchement, il y en a. Les découpes. Donc ensuite, dans la partie de droite, là. Alors, ouh là là. Je rigole parce que je vois des moustaches. Et je sais quoi faire avec aussi. Donc là, nous avons des découpes. Pardon. Comment on appelle ça? Les embellissements en bois et en métal. Je vais vous les ouvrir. Elles sont... Je regarde si ça s'ouvre de ce côté-là. Non. Un tour de voici. Moi, j'aime ça le voici licorne. Je l'ai, tu vois. Alors, nous avons un petit cage à oiseaux qui peut être colorisé après. Et c'est trop beau. Je ne l'ai pas dit comme ça. Les fameuses moustaches, si elles veulent venir, c'est moins pour le bruit. Bon, elle viendra après. Alors, nous avons... une plume en métal. Il y a, alors, hop, c'est codé ensemble.
Alors, celui-là, il est tout petit. C'est un tout petit chat. C'est une petite fleur. Ah, ça colle au doigt. Vas-y, oui. Ah, c'est magnifique. Celui-là, pour faire un bijou de planeur, ça sera très sympa. On a un poisson, une fleur en métal, une étoile de mer, une baleine. Elle est trop mimi, ça. Petite baleine. C'est là que je les ai, il me semble. Marqué best friend en métal. La moutarde, elle est collée au papier. On a pareil que le petit jaune. Il est tout petit. Un cœur. Oups. Avec la tâche, les ailes sont top. Un autre petit poisson. Et là, il a des écailles. Bon, la moutarde. Ah, bah, quand même. En fait, c'est collé. Les fameuses moutaches que je. Hop. Voilà. Ça, je sais quoi faire avec. Et nous avons une petite fleur comme ça avec du strass bleu et l'autre avec du strass rose. Ah, merci beaucoup là parce que là tu m'as gâté énormément. On va remettre tout. Pas les abîmer et pas en perdre. C'est là, elle va être colorisée. Voilà. Ensuite, dans l'autre pochette, nous avons des prades. Que je ne connais pas. Ceux-là, je crois que je les ai. Et je les ai utilisés déjà. Ceux-là, je ne les connais pas. On a un petit damier, petit papillon, un pot de fleurs avec fleur violette, là, comment ça s'appelle. J'ai pas de mémoire avec les fleurs. Et en dessous, et mon ami, et comme ça. Que je connais pas non plus. Avec un washi pour fermer. Ça, c'est super idée. Eh ben, merci beaucoup, Nat. Parce que là, franchement, il est top. Alors, dis-moi en commentaire comment tu l'appelles. Parce que je pensais que c'était un album avec les boîtes. Je suis pas trop sûre. Franchement, les boîtes, elles sont top. Et les couleurs, alors là, c'est à tomber. Je remettrai tout bien en place. Parce que c'est pas tout. Alors, elle m'a mis. Ouh, j'adore. Connaissez pas, donc je sais pas d'où ça vient. C'est un mémo aimanté. Celui-là, il va aller directement près vous. Petit nounours qui jouait là. Donc, c'est de la marque Déco Cadeau.
Il y a 50 feuilles. Il y a de quoi faire. Avec le petit crayon. Celui-là, c'est obligé. Il va aller sur mon frigo. Ne pas oublier. J'ai beaucoup de choses à pas oublier en ce moment. Non, c'est elle m'a mis. Voilà. Alors, elle m'a mis des papiers embossés. Et pour le fermer, elle m'a mis... Je sais pas, c'est toi qui l'as fait. Ouais, je pense. Regarde, trop bonne, elle a fait love. Pas si vous allez voir, mais il y a marqué love. Couleur dorée comme ça. Magnifique. Donc, en papier embossé, elle m'a mis. Attends, il y a un sens. Celui-ci. Pas si vous allez voir, attends. Quelque chose, ben blanc sur blanc, pas que vous allez voir. Attendez, j'ai trouvé du noir. On prend mon lit de coloriage. Voilà, pas que je suis le bon sens. Quel sens ça? Donc, elle m'a mis celui-ci. J'aime beaucoup ça. Elle m'a mis celui-ci. Un peu zèbre. Hein. Je ne l'ai pas. J'adore. Elle m'a mis... Alors, celui-là, je ne connais pas du tout. Donc, c'est... Ça fait un peu comme les sténographes. Hein, les... comment ça fait? C'est quand vous voyez des messages en appuyant sur le bouton là, avec des points et des codes. Puis comment ça s'appelle? Ça fait penser à ça. Et elle m'a mis. Je connais pas non plus, j'aime beaucoup. Celui-ci, Noël. Et elle m'a mis. Ah! J'aime beaucoup celui-là. Celui-là aussi va finir quelque part. Obligé. Magnifique. Et bon, en tout cas, merci beaucoup, Nat, parce que là, tu as dû passer des heures à faire ça. Et c'est pas tout. Il y a une petite boîte. Il y a marqué pour... Je les connais, ces petites boîtes. J'en ai fait quelques-unes, mais elles sont pas évidentes. On va l'ouvrir. Tine. Des fermineux. Les petits nœuds. Et elle est magnifique. Boîte cadeau comme ça. Top ici. Avec le petit nœud. Elle est trop trop belle. Papier Noël, mais pas très. Pas venir prononcer. C'est discret, c'est super joli. Le petit nœud, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et je regarde. Alors, ça, c'est top. Je vais le récupérer. C'est du papier de soie. Et pour emballer une chose fragile, c'est top. En tout cas, il y en a plein à table. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Nathalie. C'est magnifique. Donc, je vais vous montrer les cartes que je ne mélange pas. Voilà. Donc, on a celle-ci. Attends, je la trouve. On a ceci de Nat. J'en ai partout. Ensuite, il y a la fameuse petite licorne de Nadia. Et l'autre, elle est en dessous. Mmh, hop.
Et là-bas, et on a celle-ci de marine. Vous voyez, trois créas différents, mais alors tous aussi belles les unes que les autres. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, les filles. Parce que là, c'est top ici. On va pas les mélanger. Hein? Et là. Et on va terminer par un dernier courrier. Donc je pense que c'est pour la participation courriale. Pas de bêtises, on va l'ouvrir. Donc je vais de voir qui c'est. Pas d'adresse. Et voilà, c'est bien ça. C'est pour le concours coloriage. Oh là là, il m'a dit. Donc, ça vient de la chaîne Zatopica 66. Allez voir ce qu'elle fait, elle est adorable. Et en plus, elle fait du coloriage. Top. Je l'ai fait celui-là, mais alors celui-là, avec les dégradés. Waouh. Il est top. Donc, elle a super bien protégé la nuit. Deux pochettes. Franchement. Elle a dû les faire en marqueur. Plus alcool. On voit rien. Mais alors, il est magnifique. Et en même temps, elle m'a rajouté. La vie est meilleure avec des amis. C'est bien. C'est Amélie, son prénom. 66. En fait, c'est une carte, mais je ne vous montre pas derrière. C'est comme une carte postale. Avec des petits pépios, là. Trop mignon. Merci beaucoup, Amélie. Je te suis et tu fais des colos. Magnifique, et t'es adorable. Allez, filles, c'était participation. J'en attends encore. Donc, bien sûr, comme je disais précédemment, je l'ai prolongé jusqu'à mardi. Parce qu'il y en a qui ont envoyé des colos, des participations, qui ne sont pas encore arrivés, qui sont sur la route. Il y en a qui viennent de loin. Donc, j'ai décidé de laisser le concours en place jusqu'à mardi prochain. Je ferai le tirage mardi soir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et il y aura d'autres BL. Donc, ne vous inquiétez pas. T'es prévu. En tout cas, merci, merci à toutes les trois. Et Zatopica, Amélie, ton colo, j'adore. Comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.